Bon, on m'avait dit que c'était un quartier bien, bien. Eh bien, on va les inviter à prendre, à faire une promesse et à s'engager à travers une charte sur la mixité sociale à avoir une population désormais beaucoup plus hétérogène. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien signer ma charte, s'il vous plaît? Moi, je veux pas grand-chose, je voudrais juste qu'on signe ma petite charte. A souhaité s'inscrire, mais ses parents souhaitent avoir la garantie que le collège s'engage sur le chemin de la mixité sociale. Et voilà, c'est ça le sens de notre action. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle qu'on aille vers la mixité sociale, que c'est un devoir citoyen et que c'est très important. Dans le cadre du décret inscription, vous savez que nous sommes tenus de réserver 20% des places aux enfants venus de ce qu'on appelle les écoles ISEF. Hein. Ben nous sommes à 25%. Donc je m'engage résolument sur le chemin de la mixité sociale. Excusez si j'ai fait des fautes d'orthographe. Il partage le constat. Concrètement, il s'agira pour le collège de promouvoir des inscriptions transparentes et un accueil ouvert et bienveillant à l'égard de tous, sans discrimination. Et donc, de fait, je peux vous inviter quelques-uns à aller saluer la main des personnes qui accueillent les parents. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui que les frais scolaires à l'intérieur de l'établissement sont mesurés, que pour le dire autrement, que ça reste très accessible financièrement. Oui, non seulement je puis m'engager, mais nous faisons ça. Hein. Il n'y a évidemment aucun enfant, aucun élève, aucun adolescent qui est exclu de participation, si je me souviens maintenant de ce que je voulais dire, qui est empêché d'aller en voyage pour des raisons financières. Et il y a de la mutualisation des frais, et si l'école doit intervenir, nous le faisons, et je n'ai pas attendu votre venue pour le faire, ça se fait depuis déjà des années. On espère que l'engagement pris ce jour sera un engagement porté sur le terrain et politiquement.